Mais pour ça, m'a dit nous gros bonjour, pour ça, m'a dit nous gros bonsoir, tout pour m'a saluer nous depuis ta Maryland. Parce qu'il y a Hyattsville qui est sous frontière avec Washington DC. Donc, m'a quelques mètres de Washington DC. Ça veut dire que si m'a traversé la rue là, c'est dans Washington DC m'a tombé. Eh bien, j'espère que nous avons passé un très bon week-end. Nous avons grand pile d'activité pendant le week-end. Nous avons grand pile d'incidents et intempéries. La pluie tombée dans ces deux zones dans le pays d'Haïti. Donc, mon Haïti est en bas de l'eau. Pratiquement, quel que soit le côté dans le pays d'Haïti, il est en bas de l'eau. Mais ce n'est pas seulement en Haïti, non. Et si tu as fait depuis Dominicain, il est en bas de l'eau parce que Cap Plat est monté que c'est l'île espagnole qui était pratiquement en bas de l'eau. On a commencé avec l'actualité internationale là. Nous connaissons que le président Joe Biden. Et ça, vendredi soir, ils font un discours côté que les chantent louange pour l'effort qu'ils font, pour la façon qu'ils travaillent avec les républicains, ils cherchent qu'ils veulent joindre une solution, ou bien ils veulent voter et proposition de loi sur le plafond d'être là, et qui mettait fin à un plafond d'être là. Donc, les États-Unis sont libres, il y a deux ans là pour prêter l'argent, pratiquement jusqu'en janvier 2025. Donc, il dit que c'est le commencement, c'est monter ses résultats, qu'ils sont bons négociateurs et que résultat, c'est pour le peuple allemand. C'est pour le peuple américain, bon, avec le président Joe Biden, qui candidate à propre élection. Parle. S'il pas changé d'idée, il devant. Mais en attendant, c'est candidat parti démocrate pour l'élection présidentielle 2024. Et jusqu'à date, il n'est pas vraiment un concurrent, donc il n'est pas semblé pas une élection primaire. Et dans le camp démocrate. Alors, samedi, le président Joe Biden signe une proposition de loi et congrès a été voté. Et alors, ça veut dire que c'est plus fort démocratique de voter une proposition de loi. Alors que c'est dans le congrès, même dans la chambre des députés, les républicains plus démocrates qui votent en faveur de la proposition de loi que les républicains. Dans le camp démocrate, dans le Sénat, que c'est les démocrates contrôlés, tous les sénateurs votent en faveur et vous avez un petit point et vous avez tout qui avec vous pour voter en faveur. Donc, samedi, le président Joe Biden signe une proposition de loi, ça, donc il y a son droit lié. Et bon, le président a dit à tout ça, son bon, la paix d'esprit jusqu'en 2025, quand il n'y a pas de problème à faire plafond de dette, ça, et ça, jusqu'en janvier 2025, 1er janvier 2025, il y a un problème plafond de dette, ça, etc. Mais, votre petit travail qui était pour faire toujours, il faut que qu'on y a congrès parlons l'autre mission parce qu'il y a près de environ 10 dossiers non mais yo c'est ça concerne l'agence fédérale yo pour travail puis au travail sur budget yo où yo capable éviter et que gouvernement pas fonctionner à partir du 1er octobre c'est que il y a plus travail là puis voter aussi de résolution de salia pour financer fonctionnement du gouvernement avant le 1er octobre. Si ça va fait, le 1er octobre, pas que l'argent pour le gouvernement fonctionner. Ce sont l'autre cause de ça. Dans le temps pour nous parler de dossier ça. Et puis, vice-président, ancien vice-président américain, Mike Pence, et bien, monsieur rempli tout papier qui a gagné pour lui annoncer les candidats. Les candidats pour campagne et pour nomination parti républicain pour l'élection présidentielle le 24 juin. Ça veut dire que quand les républicains commencent à charger les garçons là, qui ont cherché nous mettre à ce parti, l'ancien président Donald Trump, censé dominer Pluton, pour gagner le gouverneur de la Florida des Santis, et pour gagner Mike Pence qui était dans le Kusakounia, ou Nikki Haley, qui sont anciens gouverneurs, anciens responsables des Nations Unies, représentants des Nations Unies, et dans l'administration de Trump, et dans New York, et puis. Donc, on comptait, il faut avoir au moins 5 candidats dans le camp républicain pour chercher nomination parti. Donc, ça veut dire que quand on va commencer sérieusement là pour qui est-ce qu'il y a une nomination parti. En tout cas, dernier monde en date là, c'est l'ancien vice-président Mike Pence qui annonce qu'il a rempli tout papier pour l'annoncer candidature. Puis, on sait de quelles conditions qu'on y a, qui est-ce qui va participer dans le débat, parce qu'on a un débat pour faire pour vendre un programme par électeur, ou bien supporter partout là.
et alors c'est des conditions opposées, il faut que tu aies 1% dans l'électeur national, il faut que dans le sondage qui fait tout au niveau national, il faut qu'on remplisse ou fait qu'on un certain niveau pour qu'on capable une invitation pour participer dans le débat. Je crois que pratiquement et République a fait jusqu'à 3 débats. Et 3 débats, mais débat tout le monde qui sont perdus, c'est ça déjà. Et comité national parti républicain fait qu'on est sous perdu, il faut qu'on supporte candidat qui gagne dans l'élection qui a gagné. Là pas facile du tout. Nous parler en aide week-end dans tout c'était le day. Trois trains, un accident qui impliquait 3 trains, un train express, un train car qui a pris des passagers, 2 passagers pratiquement avec un train qui a un cargo là-dedans, des marchandises. Il y a eu une entrée par accident, l'autre qui a perdu le contrôle, etc. Avec 3 voix impliquées. Il y a plus de 200 personnes qui mourent dans l'accident de sa rentrée. Le ministre, c'est pas ministre, non, président. En fait, c'est pas président. C'est chef et maudit. Et bien, il était pour la lancer un autre train. Et un autre train qui a commencé le travail. Et bien, il était obligé d'aller dans la province à côté de l'accident de sa arrivé. Et bien, lui-même lui dit que les gens qui sont responsables, ils disent pas quitter même mon petit roche sans pas virer pour le sac en bas de roche là, pour qu'il y ait des gens qui sont coupables et puis les gens qui sont coupables. Et le premier syndicat, donc lui-même lui parlait, donc pratiquement Nabdou N, c'est 4e pays puissance, 4e pays qui ont un réseau train dans le monde. Après les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc, réseau train en Inde, c'est là-dedans que plus de millions de monde voyagent chaque jour, que ce soit pour faire intercity, aller dans leur province ou dans leur province, mais par jour, il y a des millions de monde qui servent avec service parce qu'ils coûtent moins cher. Le gouvernement, j'en finance tout, donc ils coûtent moins cher. Donc, c'est un moyen qui peut privilégier la population en Inde que utiliser. Donc, week-end, ils veulent joindre. Responsable réseau à tout responsable train, vous avez joué ça qui passe exactement, vous avez un circuit qui peut être switch ou bien vous pouvez annoncer un train qui crêpe dans la route ou bien faire qu'on ait annoncé, mais c'est que ça a été dire que le suspect qui est responsable et qui est en négligence, mais a fait fouiller, etc. Pour finir. Mais en principe, je dis, d'après une nouvelle lieu, opération, vous commencez à travailler encore. Et l'activité a commencé pendant que l'enquête va continuer. Donc, au moins, vous retirez tous les débris de train qui étaient déraillés, etc. Vous retirez tout. Vous voyez malade à prendre soin, ça mourit de l'autre côté, etc. Donc, l'opération a commencé graduellement. Ça, c'est bon. Et puis, dans l'autre nouvelle encore, et là aussi, annoncé que l'Ukraine lance une attaque dans l'île de front contre lui. Donc, il n'est pas content du tout et il dit que la prépon Ukraine kiff. Pour ça, là, Ukraine fait, et Ukraine a dit, parlez-nous, parce que lui-même, les opérations libérales dans son opération pour reprendre le territoire que la Russie est saisi pendant la bataille conflit, ça qui a pu se passer une année. Et puis, on parle de ça. Et puis, pendant que nous avons une grosse panique dans Washington, mon petit avion Cessna qui est rentré sur le territoire, dans une zone sensible, et Washington. Eh bien, il y a un jet qui était déployé et pour Bali, il n'y a pas fini l'information pour finir. Finalement, avion accident. Donc, je ne sais pas qu'on ait intention, quitter l'intention. Et puis l'autre là, ça qui est passé exactement, mais finalement, avion accident. Donc, enquête à Ménéconia, au moins, je peux t'accorder pour qu'ils aient avion accident dans l'espace. Sans si je te donne, non, on est au espace que l'avion n'a pas volé, surtout dans la zone de la Maison Blanche Congrès. Donc, avion galère. Quelle que soit la raison, il était entré dans l'espace ça, eh bien, il a demandé pour quitter toutes les zones, il n'y a pas de quitter l'île, et que déployer un avion et pour forcer le quitter ou bien descendre, bon, finalement, l'avion est tombé dans l'État de Virginie. Donc, c'est ça pour lui, il m'a continué à garder et ça qui est tout ça, ça qui dit, et puis il m'a vu de côté de l'autre petit nouvelle savane, nous connaissons, nous tout le monde a vu dire, mais connaissons ça qui a passé pour ici. Dans la capitale fédérale américaine. La capitale fédérale américaine, Washington DC, et puis il n'y a plus que. Et c'était vendredi passé, et la justice américaine est condamnée
et Haïtiano chilien Rudolcha pour passer tout le reste de la prison pour participation technique ou bien encore financier ou bien encore support que te baille et para qui était colombien mais quand même pour dire la mercenaire colombien et qui était pour ouais avec assassinat président Jovenel Moïse. Donc monsieur TP des coupables avec espoir, c'est une nouvelle chose. Monsieur TP des coupables avec espoir que il t'a pas collaboré avec l'autorité de la justice américaine, il t'a pas eu quelques informations nécessaires pour eux. Peut-être que t'as rajouté une condamnation moins, mais ça va arriver. Donc monsieur condamné pour le faire toutes les villes dans prison. Et puis monsieur qui voulait tourner dans le tribunal dans mi-temps mois d'août là, monsieur précisément le 23 août. Côté le pral, bon l'autre condamnation encore, qu'on l'autre bar encore que juge la pral est haussé, pral est prononcé son affaire de compensation monétaire. Qui recèle des dommages même pour monsieur pral, il va le condamner tout, il va le montant tout pour le payer tout. Il y a question que tu as posé à ce cas un appel, bon je dis c'est pas facile parce que c'est sous trois chefs d'accusation que monsieur a servi tous les trois en même temps. Donc, pratiquement, l'heure du condamné à vie. Et jusqu'à ce moment où il passe. Et à moins qu'il y ait une décision qui peut être faite, qui t'avait une faite devant nous, mon président, ta communauté paix nous, ensuite pardonner, etc. Mais ça, et ça sont l'autre dossier encore qui l'a mis pour Kounia. Et alors, c'est Oudorja, c'est 11e, il a fait 11 monde qui est en prison aux États-Unis pour dossier le président Jovenel Moïse là. Donc, il y a 10 autres encore qui là et Captain. Et Santos Paul. Mais nous avons dit Oudolf, c'est le seul monde qui est arrêté en République dominicaine, qui est lui-même qui est plaidé coupable. Mais tout est pour mettre la justice, que la collabore avec lui, la tout ça, le connaît, etc. Mais espoir, c'est d'écouter que nous avons une condamnation qui est plus clément, qui est moins. Et puis, c'est même juste, je n'ai même pas donné le même du tout, mais ce n'est pas ça qui est fait. De ce ça a été tout l'ouvrir toujours. Maintenant, on pourrait s'accroître passer le 23 août ou bien plus ou moins, notamment à d'autres là, ça va le faire. Les monsieur Poutine devant le tribunal encore pour dire. Ben. Et puis, l'autre dossier, c'est le dossier, ancien premier ministre en la mode. Et le département d'État, le ministère des Zones, le département d'État, interdit monsieur de mettre point de pied aux États-Unis, sous territoire américain, aux États-Unis. Et on rappelle que l'ancien premier ministre en la mode, la prison est en Floride avec 3 000. Mais monsieur, pas aux États-Unis. Alors, selon nous, il y a plus de bails, il dit qu'il n'y a pas de partager parce qu'il n'y a pas vérifié. Mais nous connaissons que ça, nous connaissons que pas aux États-Unis, les décisions à prendre. Monsieur, non pays, monsieur, il est de l'autre côté, les décisions à prendre. Et est-ce que vous surprenez? Non, parce que en fait, les États-Unis fonctionnent dans l'autre genre. Les États-Unis ne font pas ça, pas informé. C'est sûr qu'ils étaient informés. Mais il y a eu un veillé pour monsieur quitter le pays. En vain, ils mettaient nos bouillards dans l'arrêt. Donc, monsieur quittait l'alcool de la Paléa. Et le département d'État, et en particulier le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, fait premier tweet là, première nouvelle là dehors. Ensuite, communiqué de presse, communiqué à sortir. Donc, bruit courir, et on s'est remis en voie. Il va d'accord, il dit que c'est injustice, il dit que les États-Unis n'ont pas qu'à prendre une décision qui cite à son humeur, et qu'il demande pour y avoir la preuve qu'il y a. Parce que les États-Unis ont accusé qu'il t'a détourné, ou bien, 60 millions de dollars pour Bibit, dans le corps pétro-caribé, donc il a utilisé l'influence, le pouvoir, pour te détourner l'argent, ça. Donc, c'est Ololo, donc de côté de l'État, il soutient une note de presse. Pour lui, nous avons sur la plateforme VOA pour nous un autre de presse à tout. Et bien, il parlait de ça, il dit que bon, et que les États-Unis font toujours une preuve, et que les États-Unis n'ont pas tenu compte de la décision Cousper des comptes prend pour être blanchi, il peut être dit lui-même. Et bien que Cousper des comptes sorti, on enquête que le démené tout pour le dire, pour le on sait de ministres, directeurs général et premier ministre qui t'a participé dans gaspillage et 4 milliards de dollars fonds pétro-caribé, eh bien, il dit que lui-même était blanchi. On est en États-Unis, après, qu'il parle de la menace en justice
contre les États-Unis, même si on le fait pour le Canada, tous les Canadiens pas sanctionnés contre lui. Alors que Canada n'a pas de question ça. Non, Canada n'a pas sanctionné contre lui, peut-être comme nous, monde qui a supporté les gangs. En tout cas, le premier ministre est mort, pas content. Il dit que la décision des États-Unis n'a pas acheté à son rien. Il est injuste. Il a séparé avec la famille qui vit en Floride et qui a empêché de venir vers la famille parce qu'il ne dit pas qu'il vit aux États-Unis encore. Donc, le dossier encore qui était tout ouvert. Et entre-temps, la voix d'Amérique a fait un effort pour nous si nous sommes capables. Et je pense que le ministre a fait une déclaration, plus de notes de presse qu'il fait sortir, mais même en personne sous dossier ça, et qui j'en baille ça par l'affecter, etc. Donc, il y a plein de monde qui dit que ce n'est pas le premier ministre la mort seulement, baille ça, nouvelle, ça a fait en pile, la gueule, l'autre monde en courir, qui t'a semblé que même tout, il y a payé tout, parce que les États-Unis pas prendre une décision sans qu'il n'y ait pas de preuve. D'ailleurs, les États-Unis m'ont mentionné 60 millions de dollars. Donc, souvent, sur les 60 millions de dollars, c'est sûr qu'on gagne en main. Peut-être qu'il y a 10 millions, il y a 1 million, mais l'autre dit que 60 millions, on vient dans un chiffre pour BBC, c'est que les États-Unis qui portent en main, qui chita cette décision. Donc, ces deux sujets qui sont dominés pendant tout le week-end en net, dossier accident train en Inde et dossier condamnation Rudolf Jara, haïtiano-chilien, et dossier et ancien premier ministre Laurent Lamothe, et puis vient mettre à pied sous clou la plie qui a tombé dans le pays d'Haïti, donc tout fait. Et tout viré là. Donc, mettez à sous clou, la pluie qui a tombé depuis pendant tout le week-end, hein, c'est-à-dire depuis la mi-temps semaine, hein, la pluie tombée, et cela, tout côté en Haïti affecté avec la pluie. Ça, c'est pas un cyclone, c'est pas un ouragan, c'est simplement un gros la pluie ou un intempérie, etc. Et j'espère que non pas au Bali, donc c'est pas mon domaine, je ne vais pas rentrer dans le corps, je ne vais pas expliquer. Mais au moins son moins tempéré un système qui baille et qui provoque la pluie et la pluie a touché tout le territoire haïtien. Par exemple, d'après la protection civile, il y a 30 personnes qui mourent, d'après les données, jusqu'à lundi matin 5 juin, et bien, pour Pipiti, il y a 30 personnes qui mourent, plusieurs dizaines d'autres qui disparaissent, il y a 5 personnes qui sont blessées. Et nous pas même parler de cailles qui a blessé, qui a détruit, qui a affecté, etc. Famille qui sinistrée, qui est obligée à le préfuge pour trouver. Et cela, zone qui peut affecter au Grand Nord-Est, la Grande-Anse, l'Ouest, le département de l'Ouest là, et puis gagner tout port de paix, donc Nord-Ouest. Et pas de bonnes nouvelles qui va être sous Gonaïve, même les capables de continuer à tout, mais l'Ouest là, c'est une zone qui va gagner le Sud-Est, et même. Ville Jacqueline, ils ont dit que c'est des petits bails qui ont été mettés, bails, washes qui ont été mettés pour empêcher les l'eau à gauche de venir pour aller faire des gars dans la ville. Mais l'eau a passé le pont pour ça. Écoutez, l'eau a passé le pont, c'est deux ponts qui étaient là avec le pont. Nous ne voyons pas l'eau de mon qui est d'eau. Il était bon, c'est sur la voie de l'Amérique, nous avons plus de nouvelles parce que nous avons collaboratrices, nous correspondants, nous Matsado Vini qui allait les organes, il y a un côté qui rencontre parce qu'il y a deux ou trois rivières qui rencontrent ensemble et qui font en pile de gars dans la zone des organes, dans la zone Grand Guave, dans l'autre côté, etc. Donc Haïti, quand il y a demandé aide, demandé gouvernement, dégage au côté collé, qui ont mis action et protection civile, mettez agence nationale. Il y a quelqu'un qui est occupé dans le problème. Il y a un problème cyclone, il y a activé. C'est ça, docteur Chandler, qui est responsable là. Il déclare dans la presse, il y a activé toute opération pour voir dans quelle mesure il va venir avec la population. Et il y a même autorité pour venir et pour te convenir, voir dans quelle mesure il va dépasser la population sinistrée, surtout à faire choléra. L'eau, il y a qui l'eau pas bon, besoin d'eau, besoin et qui tient, c'est des bagages qui ont besoin pour aider la population. Donc autant de dégâts que la pluie fait, nous disons que je dis bon, pour qu'on y a capable de l'appliquer quand même, mais c'est pas même bagage là. Donc, si on l'applique, c'est l'autre, si on l'autre bagage lié qui fait que la pluie, mais c'est pas phénomène ça provoquer la pluie, ça je dis. Et il t'a même semblé que la pluie a été même touché le week-end. Nous n'avons pas grand-pile de nouvelles, mais nous avons cherché pour nous connaître. Et ça, qui est l'autorité dominicaine, est-ce que même tout qui est affecté, ou si vous êtes affecté, est-ce que vous êtes affecté même avec le pays d'Haïti. Donc, nous disons que 30 morts, et puis nous disons que les gens qui sont affectés, et puis gagner tout un bateau qui tape souci en sapite pour te venir Marigot, dans la zone sud-est.
un bateau ça fait naufrage et m'attendre responsable représentant Semana dans zone là qui dit pas autorisé bateau il pas autorisé bateau voyager jour ça parce que l'état inspecté bateau et jeune bateau pas rempli des conditions parce que il veut que son bateau ou pour des passagers ou des passagers ou pas pour des passagers ensemble avec marchandises. Donc là, il y a un bateau qui est déjà trop chargé. Il dit capitaine bateau, ou pas qu'à voyager avec le bateau, ça va qu'à voyager, j'en dis là, et qu'il n'y a pas qu'à voyager. Et il répond, il dit ça, il dit sur Radio Télé Caraïbes, c'est samedi. Et M. dit lui-même, c'est belle, c'est obligé de prendre refuge, parce que la mer était tellement fort, le vent a soufflé. Et bien, lui-même, il dit que capitaine bateau, tu fais le qu'on est. Avec ou sans autorisation, lui-même la voyage quand. Et voilà. Voilà ça a débouché sur sept monde qui disparaît. Et puis, il y a quelques personnes qui ont récupéré, quand même, il y a quelques personnes qui ont été sauvées. C'est tellement mon âge. Il y a des gens qui ont été frappés, non récifs, et c'est là qu'il fait partie d'un fait. Donc, parce qu'il n'y a pas à joindre toute quantité de monde qui est à bord bateau. Donc, il a cherché le capitaine bateau à là. S'il sauvé, il a cherché. Je dis, c'est pas pour une fois qu'il y a un mois d'incident à eux. C'est pas pour une fois que c'est ça privé. C'est pas pour une fois qu'il y a un bateau qui prend la mer sans autorisation. C'est maintenant, alors, pile qui soit posé. Qui pour voir que l'autorité, c'est maintenant, si le bateau pas qu'à voir agir. Pour bateau et dit monsieur ça c'est pas le port pas de là et pas pour regarder mon bras est-ce que c'est malade pour voir pour le bateau ou pas voyager puis les gonds bas neuf pour le faire on va le faire pour le donc par exemple si un avion atterrit dans le pays si le pays a dit avion pas voyager il ne peut pas faire d'autre là il ne peut pas faire d'autre là donc les bagages dit pas gain notion que pas gain à quelle altitude pour voler qui direction pour le prendre qui tel bagage pour le faire pas il pas gain donc il n'a pas prendre risque ça donc il y a des sanctions pour ça donc c'est ça et puis qui s'en prend pas qu'à dire encore et puis nous parlons de dizaines de monde qui capitaine il y a sept monde qui mourir dans nos frères là que finalement c'est flatté qui bas. Mais aujourd'hui, on a du réduit comme lui, monté comme lui. Voilà. C'est ça, nous sommes pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi 5 juin. Aujourd'hui, nous la carrément, nous carrément. Aujourd'hui, on va mettre le cravate. Ça veut dire que mon travail est la carrément. Et Jacqueline est la carrément là. Et Fred avec nous tout. Fred avec nous dans la carrément. Donc, nous sommes bien contents que Fred avec nous. Et puis. Bon, parler de Saint-Louis dans New York, tout, il y a pour la travail sur. Et on sait des signes qui sont passés dans New York, tout. Il y a activité dans New York. Donc, parler de travail sur l'activité ça, qui est passé dans New York pendant le week-end. Là. Et puis, nous avons Machado, lui-même, il a cherché ce qui est la loi, même avec Pop Nawali, et ce qui est activité dans les organes, après la pierre fin tombée, quand c'est des gars qui font, monde qui sinistré. Et il y a un autre secteur qui était probablement capable de jeunes responsables de protection civile eux-mêmes qui est capable de dire qui ça fait pour venir pour porter pour besoin pour répondre à besoin et population sinistrée monde qui victime yo. Et puis très certainement l'autre correspondant nous gagne autour dans à travers pays tout même attaché de ça moi-même après sur et Gouroumb, les militaires qui ont fait dans Shangri-La, dans Singapour, sont rencontrés annuels. L'idée militaire mondiale, ils ont fait, côté que, ils ont fait ça, le networking, côté que, ils ont cherché contre l'autre, pour essayer de faire 100 médailles, changer quatre entre eux, etc. Donc, ça a été fait avec le ministre de la Défense, bon, Monier, comment va aller pour la caillou. C'est échange d'informations. Et puis tout, parler tout sur ces deux causes et tout, qui est capable d'éviter ces deux conflits vinal avant ça. Si on petit bouche l'ouvre entre deux pays, bon, deux pays, on va rencontrer là, on va parler là, on va rencontrer vers, puis on va même dire, mon cher, comment ça s'est passé, mon cher, pas faute moins, bon, mon cher, ça s'est passé. C'est des bagailles, des discussions qui très certainement vont déboucher sur ça pour éviter ça, taille long conflit. Qui t'a pas le gain puis devant, mais le fait que les responsables ont rencontré, eh bien, ils ont mis de l'eau dans du vin, ils ont calmé là, et puis le dossier a fermé sans aucun mal. Mais, au lieu de se rencontrer militaire, ça, la Chine avec les États-Unis profiter de sommet, ça, de forum, ça,
pour voyer toi à une sur l'autre. Yo reproché l'autre de ça qui passé, conseil décide de passer dans la mer sud, la Chine, entre les États-Unis, en bateau destroyer chinois avec un bateau de guerre américain, qui ont l'autre décide de passer encore dans l'eau territoriale internationale aux États-Unis, entre un avion et de guerre chinois avec un avion reconnaissance les États-Unis. Donc, incident ça, vous mettez sur la vie, vous voyez l'autre spot. Mais les États-Unis, à la fin, dans le discours, et le ministre de la Défense, Lord Saint-Ferbe, il dit lui-même qu'il n'a pas cherché confrontation avec personne, il n'a pas besoin de la guerre, conflit avec personne. Et la Chine dit, meilleure façon pour éviter les bases, c'est éviter que nous pas dans un bateau dans l'autre pays, pas rapprocher bateau dans l'autre pays, ou bien encore pas rentrer sur dans l'autre territoire, ou bien se passer dans l'autre pays. Et il dit États-Unis pour comprendre plus bien, alors pas dit États-Unis, parce que dans les États-Unis. Alors, il dit, pour me faire comprendre plus bien, ça me dit, il faut éboucher nos affaires gado. Pas faut éboucher nos affaires qui sont gado. Et puis occuper les affaires PAO, occuper les affaires population. Et puis, le ministre de la Chinois, M. Lee, il m'a demandé aux États-Unis, plier bagage, retourner la carte, sortir dans la zone, non pas vouloir dans la zone. Alors que les États-Unis disent lui-même, ben, il y a protection. Il y a protection dans la même personne. Et du côté de l'IA là, il est là pour l'aider et il est là pour l'aider. Allier les partenaires, les défendre chaque fois que vous êtes arrivé dans un conflit avec la Chine, et bien nous sommes là pour nous supporter. Nous avec la Chine et les États-Unis supportent Taïwan par exemple. Les États-Unis par exemple suspendent ces plus gros partenaires que vous avez dans la région. Ou bien ces partenaires plus importants que vous avez dans la région. Pendant que la Chine lui-même lui dit qu'il considère Taïwan comme une province, li, province pâle. Mais son province, même là que Taïwan a un gouvernement élu, eh bien, capable de M. Pop peut-être dit, eh bien, la Chine toujours considère Taïwan comme une province qui est en rébellion. Contre Pékin. Donc voilà. C'est le dossier Sahara, on a parlé pour donc c'est été branché avec nous après-midi. Et c'est Jacqueline qui est encore là lui-même. Et qui a pu présenter nous le journal et radio sur télévision. Et puis il y a l'autre dossier tout que n'a pas la voix, puis qui est un camarade, mais Augustin. Gentil. Et monsieur gentil avec nous aujourd'hui, nous a parlé un peu de football. Football, nous connaissons que le championnat européen est presque fini. Et puis, pratiquement fini. Donc, très certainement, il y a quelques décisions qui prennent là. Il y a les Messi qui quittent Paris Saint-Germain. Et Karim Benzema qui quitte Real Madrid. Et il y a Vinicius tout qui a quitté tout. Et un peu le changement, un peu le bail qui fait le championnat européen, on s'est bouleversé à un certain décident, à jouer qui soit qui quitte pour quelque soit raison, quitte le club, il connaît, qu'à chercher un nouveau club. Et puis, on a tout que gagné deux vedettes et sélection nationale de football féminin haïtien, qui en Haïti, ils sont censés devenir une place qui est clouée comme eux, c'est Nehilia. Avec Batsheba, si je ne me trompe pas, je ne me trompe pas de nom, mais Batsheba. Donc, il y a deux qui sont en Haïti actuellement, qui sont en passant un petit moment avec Fonmio, et puis la Voix d'Amérique, qui est une mission spéciale, qui a essayé de faire Kounia là, à côté qu'il a rencontré, il a rencontré avec famille et quelques joueurs de sélection nationale de football féminin. Et pour eux dire qu'ils ont senti le fait que petit, ils ont parlé dans la Coupe du Monde, qu'ils ont été gardés, les teams ont parlé entraîner, rentrer dans l'activité. Ça nous connaît longtemps. Football, c'est pas pareil, pas rentrer dans les petites files à jouer là-dedans. Et bon, c'est des bails qui finalement viennent dans nos mythes, mais ça va veut dire qu'ils ont tout accepté. Et puis, il y a tout les participants là, et pratiquement l'équipe de sélection nationale. Masculin, hein, senior là, monsieur commence à réunir là. Il y a Donald Guerrier qui est dans ma amie depuis quelques jours. Et puis l'autre joueur a réuni là pour commencer à participer dans l'entraînement avant publication liste définitive du joueur qui va le représenter à Haïti dans la Coupe de CONCACAF. Rappelons que Haïti a 3 matchs qui garantit ces phases de groupe là. Il y a plus rencontré avec Qatar qui sont une invitation spéciale, qui peut rencontrer avec Nicaragua et puis rencontrer avec Mexique et Thomas Sayo, et puis selon Jean Degajo. C'est deux premiers à prendre dans le groupe là. Donc deux premiers, donc c'est Haïti bien dégagé, et bien bon,
la passe dans la prale dans tout suivant. Mais comment, ballon, et nous, mon sélection. Pratiquement, une sélection nationale haïtienne, parce que tous les joueurs, c'est joueurs avec à l'étranger. Donc, il y a excepté deux joueurs seulement qui sont censés et jouer en Haïti, qui sont convoqués dans la sélection. Donc, entraîneur, la nouveau entraîneur, qui est espagnol, Calderon, et bien, M. Guin pile du peu sur la presse là, M. Guin pour faire une grosse liste. Pour le publier ensuite, pour le réduire sélection en Konya à en quantité et selon demande que CONCACAF l'a fait jusqu'à présent. Il y a une sélection pour le féminin qui au moins déjà retenu à partir du 19 juin. Sélection ça a lui-même pour lui commencer par l'entraîner. D'avoir pour une séance d'entraînement, il va faire en Suisse. Il va faire en altitude. On va attendre ça. En altitude, ensuite côté le bal, il y a un match amical, ensuite il y a pour aller dans le Corée du Sud, côté le bal, un autre match, ensuite il va aller en Australie, côté le bal, un autre match avant de commencer avec Ligue, avec Coupe du Monde là lui-même. Alors Haïti lui-même, il y a comme adversaire dans la phase de groupe là, il y a la Chine, il y a l'Angleterre, et puis il y a Danemark. Nous avons une grosse information sur cette édition d'avant là. Mais nous connaissons la Chine dans son équipe qui est très combatif. Et puis nous connaissons l'Angleterre tout. C'est pour l'équipe qui mangeait en fouet. Donc Haïti a pris l'effort pour le faire là. Pour garantir au moins deux victoires. Au moins avec deux victoires, au moins il y a garanti pour aller dans le deuxième tour. Mais au moins, nous rappelons que la voix de la MECA présent, que ce soit dans la Coupe de CONCACAF là, que ce soit dans la Coupe du Monde football féminin. N'a pas quand même. En façon l'autre n'a pas quand même, il y a bien information non. Donc était avec nous pour qu'on connaisse ce qui a passé plein de choses du monde là et puis gentil au Sabine avec nous. Dernière nouvelle qui dominait et monde football là avec joueur qui quittait certainement pour aller dans l'autre équipe et pour quelque soit raison contrat fini ou bien on va connaître. Entendre gentil pour ça la petite parce que je tiens à l'aime ça pas le football c'est très très gentil. Comme ça gentil avec nous. Ok tout le monde, salut tout le monde, passez une bonne semaine avec la Voix de l'Amérique. Nous espérons que nous allons rencontrer encore. Donc c'est pas demain. Pour moi-même, c'est pas demain, nous allons rencontrer encore. À moins que tu aies un gros bail qui passe, nous allons tourner. Et tourner encore sur Facebook, parler avec nous. Mais autrement dit, nous allons. Ok, bon week-end tout le monde. Bonne semaine alors, tout le monde.